Puis nous on reste sur Twitch, voilà, donc la première vidéo sur YouTube, voilà, elle est enregistrée. Donc maintenant, eh ben, voilà, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, là, maintenant c'est pour la deuxième vidéo de YouTube, que vous voyez toujours en direct sur Twitch. En fait, tout ce que vous voyez là sera divisé en deux. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas Twitch, eh ben, je vais pas les punir, quoi, en fait. Donc, tous les live farming qu'il va y avoir sur Twitch, ils seront mis en rediff sur YouTube. Sauf qu'ils seront scindés en fait, ils seront scindés en deux. Hein, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez les gars comme système? Rien que pour farming, hein. Pour le reste non, pour le reste ça restera sur Twitch. Hein. Et pour tout ce qui est farming, voilà. En fait la vidéo tout à l'heure quand j'aurai fini, j'irai la télécharger. Je couperai là où j'ai parlé, cac, je coupe, première partie YouTube, et puis la deuxième partie bah, sortira sur YouTube, et, la première elle va sortir demain, et puis celle-là sortira bah, après-demain, je pense. Comme ça, voilà, ça va pas désavantager YouTube. Enfin, pour ceux qui, malheureusement, ils peuvent pas se connecter sur Twitch, quoi. Ouais, je pense à tout le monde, en fait. Ça, je trouve que c'est assez cool de ma part de faire ça. Parce que tout le monde ne le fait pas en fait. Hein. Donc comme ça, il y aura deux épisodes. Les deux épisodes que vous voyez, qui vont voir sur YouTube, bah, vous l'aurez vu en une seule fois. Et après la série, ouais, après on peut faire une série dessus. Parce que la map me plaît bien, donc il y a moyen d'y rester un petit peu dessus. Je pense que je le ferai en solo. Après, il faut que je demande à Lulu si elle arrive à la faire tourner. Après, on peut la faire sur YouTube aussi, hein, celle-là, hein, cette série. Hein. Avec Lulu en multi. Hein. Après, faire une série, il faudrait que je me donne des objectifs à atteindre. Ce serait cool, ça. Vous voyez ? Ce serait bien, ça. À la limite, bah, pour ceux qui sont sur YouTube, bah, dans les commentaires, vous marquez des objectifs. Et bah, ceux qui sont sur Twitch, bah, vous me le dites direct, parce qu'on ne peut pas laisser de commentaires sur Twitch. Avoir des objectifs. Quitte à recommencer la partie, hein. Là, je recommence la partie à la limite. Hein. Je sais pas, vous me dites tout ça dans les commentaires pour YouTube. Bah, sur Twitch, vous me le dites sur le chat. Hey, on peut pas faire mieux, hein. Plus simple, ça va être compliqué. Par contre, plus compliqué, on sait faire aussi, hein, mais on va éviter parce que je vais m'embrouiller après. Voilà. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Ça peut se faire. James. Comment tu vas depuis tout à l'heure? On est sur une nouvelle map, James. Très jolie map française. Eh bien, impeccable, James. Impeccable. Alors, la map, c'est la ferme écuelloise. La ferme écuelloise. Franchement, elle est très, 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 très jolie. Et du coup, maintenant,
Je laisse la place à mon pilote chevronné, monsieur l'ouvrier. J'espère qu'il va pas faire de conneries. Hein? Ce serait cool. On va voir. Comme ça, moi, en attendant, j'ai m'enroulé une petite, les gars. Bon, on dira rien. Les champs sont grands. Ah oui, ils sont beaucoup plus grands que sur celle de cet après-midi. Hein. Sur la map de cet après-midi. Hein. Enfin, sur la campagne Haute France. C'est plus vallonné. Enfin, franchement, c'est une map, ça, elle est très, très... Enfin, pour moi, je la trouve très jolie. Hein. Carrément jolie. Par contre, il faut... voilà, il faut une machine quand même hein, pour la faire tourner. Ouais, la carte est grande, t'as gâché de pas voir la... Regarde la map. Ainsi la map. Ouais. Là. C'est la ferme Limousine, je crois qu'on avait dit tout à l'heure en début de live, qui a été reprise. Enfin, qui a été reconvertie et puis améliorée. Waouh, il y a un port, il y a... Pff, il y a un tas de choses dessus en fait. Elle est immense. Et par contre, une très belle carte. Ouais, je crois que c'est la ferme Limousine. Oh, je sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Attendez les gars, je reviens. 2 secondes, le temps de m'enrouler une petite et j'arrive. Voilà. Pour lui, il faut un GPS. Ah bah carrément, là, il faut un GPS. Hein. On va se perdre, les gars. C'est pour ça que j'ai pris la ferme principale. En plus, t'as 3 ou 4 fermes. Hein. Mais franchement, les 3 ou 4 fermes qu'il y a dessus, elles sont cool, elles sont jolies. Hein. Voilà. Franchement, elles sont belles. Merci, JMG. Il me fera toujours rire avec ça. Ouais, maintenant je fais dérouler. Enfin, dérouler la machine. Et moi, ce que je vais pouvoir aller faire, c'est je vais spawner dans un tracteur, par exemple dans celui-là. Et bah, il me faut une remorque. Et j'ai pas de remorque, je suis en train de penser à ça. Faut que j'aille chercher une remorque, celle qui est là, elle est pleine d'herbe. C'est j'en suis servi tout à l'heure pour mettre de l'herbe. Et du coup j'ai plus de remorque. Et quand tu vois la texture du sol en fait, de la terre là dans la ferme, c'est magnifique. Ah, vous allez me dire. Là, tac. Les gyros qui vont bien. Voilà, allez hop, on est parti. Là. Ouais, hein. Comme ça, on va pouvoir remplir. On va prendre une. On va pas prendre la plus petite benne, on va prendre la même que sur la ferme du vieux. Sauf qu'on va prendre le modèle au-dessus, quoi. On va prendre la même marque avec le modèle du dessus. Là, tac. Ben. Alors, elles sont bleues. Il y en a 3. Voilà, on va prendre celle-là. On prend pas des rehaussés, ni quoi, ni caisse. Voilà. Franchement, même le magasin, il est cool. Moi, je dis qu'il est bien fait, le magasin. Ok, chips. Ok, James. N'hésite pas à partager aussi la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Parce qu'il y a le live de cet après-midi qui a été mis sur YouTube. Une rediff. Là. Allez, on est parti.
Allez, on est 320 maintenant, on est 320 follow sur Twitch, hein, c'est cool. Je regarde ça et je reviens. Ouais, ok, pas de soucis, pas de soucis. Non. Voilà. Ça, on va aller chercher ça là-bas. Voilà. Nickel, j'arrive au champ. Ok, merci, James. Là. Alors, c'est qu'il est, mon Lascar? Est-ce qu'il s'en sort, cet animal? Ouais, forcément, forcément. Voilà. Voilà ce que je voulais pas qu'il fasse. Bah, il l'a fait, hein. Fait qu'il tombe en panne là. Hein, faut pas leur faire confiance, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Alors je. Sors-moi de là, toi, glandu. Laisse-moi reprendre la main. Hein? On va quand même pas écraser les cultures, quand même. Quand même pas déconner. Je suis en train de penser à quelque chose que tous les mods. Que je pensais avoir mis, j'ai pas dû les mettre parce que je les ai mis dans un dossier pour envoyer à Lulu. Et ça se trouve, je les ai pas mis. Eh! Peut-être bien ça la connerie. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est quand même, je suis quand même pas couillon à ce point-là, quand même, hein. Hey, salut, Yo-Yo. Comment il va depuis hier soir? Ah, il marche bien? Normalement, il marche super bien parce que c'est celui-là que j'ai sur la partie là. D'ailleurs, je vais vite le voir parce que je crois que je me suis pas trompé ou pas. On va aller voir dans le magasin après. Voilà. Allez, roule mon gazier! Ça va tranquille et impeccable. Nickel, nickel, nickel. Alors attends. Épandeur à fumier. Parce qu'il me semble que j'avais mis le. Ouais, ben c'est ça que j'ai fait en fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai plein de nouveaux mods, mais ils sont dans le dossier que j'ai pas mis dans ce dossier-là. Ils y sont pas. Parce que ici j'avais mis le. Comment ça s'appelle? Le pichon. L'épandeur fumier pichon. Et là je l'ai pas. Donc c'est bien ce qui me semblait. Je l'ai. J'ai téléchargé, j'ai créé un dossier, je les ai pas mis dedans. C'est bien moi ça en même temps. C'est ben moi ça. Allez. Allez les gars, n'oublie pas de s'abonner et puis de se follow hein, quand même, hein, que ce soit sur la chaîne YouTube ou Twitch. On est quand même pas là pour déconner. Qu'est-ce que je deviens bon aux manœuvres hein. Par contre, ouais, lui, je vais le laisser faire. Hein. On dira rien à personne. Voilà, tac. C'est du grand Olivier, ça. Et ouais, hein, quand même. Hein. Attends, bouge pas. Je vais compléter mon tracteur. Voilà. Comme ça, il va me sortir sa buse. Ça va éviter de faire des conneries. Hein? Allez, sors ton bordel, toi là. Tu vas voir qu'il va pas vouloir me le sortir. Si? Allez, sors-moi ta buse. Tu sais qu'on est content quand tu sors ta buse. Oh putain, mais pourquoi tu vas te travailler, toi? Voilà. T'excite pas, ça va bien se passer. C'est la première fois. Voilà. Salut, agriculteur farming 19. Salut à toi, bienvenue. Wesh, comme tu dis. Dis-moi, tu fais un live ce soir ou pas? Normalement, oui, je fais un live ce soir. Je fais un live. Par contre, je sais pas encore si je suis sur Twitch ou YouTube. Je sais pas si je fais un live farming sur
sur YouTube ou si je fais un live Twitch. Si je fais un live Twitch, c'est les maisons. Salut Karting, comment tu vas? Karting 33. Voilà. Ouais, j'essaye de faire ça bien, j'essaye de faire ça bien. Ah oui, Karting 33, t'es le collègue à Yo-Yo. Et puis à Audacine. Ça va et vous bien? Eh bien impeccable, ouais c'est ça. Ça va un peu. Faut que ça revienne un peu dans mon cerveau. Mais c'est bon, ça revient. Voilà, de toute façon, je pense au genre de YouTube. Les gars de YouTube, c'est pour vous aussi cette vidéo. Hop. Là. À mes chers amis abonnés de chez YouTube. Bon, ça, je peux le retirer, ça. Ouais, Aducine. Ouais, je sais pas pourquoi je dis Aducine. Aducine. J'enverrai mes amitiés. Là, voilà. Comme ça, je vais attendre qu'il me fasse ça bien, nickel. Que ce soit propre. Et merci, Karting, pour ton follow. Voilà, t'es le 321e follower. Et ça fait toujours plaisir. Ah, à la charmante dame, voilà, charmante dame. Allez mon gars, allez mon gars. Sors-moi ta buse, fais-moi plaisir. Re Alain. T'as vu Alain, elle a changé de map. C'est une très jolie map, celle-là. Très 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 jolie map. C'est la ferme éculoise. Si t'as un bon PC, Alain, tu peux te faire plaisir sur cette map, hein. Franchement. T'as plusieurs fermes et tout, elle est trop trop cool. Salut Didier, comment tu vas? Hey, Al Didier, comment il va? T'es sur Twitch aussi, Al Didier? Ah oui, il me semble que je t'ai vu une fois sur un live de Twitch. Eh bien, impeccable, Didier. Impeccable. Impeccable. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont de YouTube, d'aller voir la vidéo que je vous ai postée cet après-midi. Hein. C'est la rediff du live de Twitch. On la trouve où? Tu la trouves chez Kingbud, Alain. Elle est chez Kingbud. Ou sinon, au pire, Alain, si tu la trouves pas, tu m'envoies un message sur Discord. Je te donnerai le lien. Je reviens sur Twitch. Ouais, parce que sur YouTube, je te vois un peu sur YouTube, mais sur Twitch, je crois bien, c'est la première fois que je te vois sur Twitch, non? Dis-moi si je me trompe. Là. Voilà, tu me dis, Alain, si tu trouves pas, hein, tu m'envoies un MP sur Discord, il n'y a pas de souci. Merci aux 12 personnes, les gars. Mais franchement, regarde le PDA, Alain. Regarde comme elle est belle. Et t'as des fermes, t'as des points de vente, t'as. Ben voilà quoi. Tu vois, la ferme principale, c'est la ferme numéro 1. Après, t'as. Alors attends, ferme numéro 2, ici. Et toutes les fermes, elles sont jolies, hein. J'étais faire un tour vite fait tout à l'heure. Après, attends, t'as la ferme numéro 4, donc il doit y avoir une ferme numéro 3 qui se promène. Je crois il me semble avoir vu 4 fermes. De toute façon, s'il y a la 1, s'il y a la 2, il doit y avoir la 4. Enfin, la 3. Apparemment, il y a un semblant de carrière. Après, je sais pas si c'est fonctionnel ou pas. J'ai pas été voir. Voilà. Puis les champs sont pas petits, sont pas très, enfin ils sont pas grands non plus. C'est correct. Mais c'est vallonné. Et c'est ça que c'est bon, c'est que c'est vallonné. C'est ça qu'on aime. Olivier, j'ai une course à faire. Je regarderai la suite en rediff. Ouais, ok, pas de souci.
Pas de soucis, Jamini. Je suis revenu pour voir Xandoria. Et oui, Xandoria, la fermière. Elle est cool. Et maintenant, moi, bah voilà. Ah ouais, merci. Bah toi, j'avais pas vu que tu t'étais fait follow. Merci, Olivier. Comme je sais que t'es follow, enfin que t'es abonné à la chaîne YouTube. Ah voilà, t'as rejoint sur Twitch aussi. Je crois l'avoir vue, je vais la charger. Ouais. Mais franchement, ouais, elle est cool, hein. Après, si t'as un petit PC, je vais te la déconseiller. Mais parce que. Y a Zero, il a essayé de la faire tourner tout à l'heure, il laguait comme un cochon dessus. Et franchement, elle est très belle. Ouais, c'est bon, t'as fini, t'as tout vidé, toi? Impeccable. Voilà, donc du coup, j'ai un. Bon, bah c'est bon, c'est un gros PC. Je te fais confiance. Voilà, alors c'est juste une mise en garde après. Hein. Moi, je tourne pas à 60 FPS partout, hein. Je tourne entre 40 et 60 hein. Par endroit, je descends même à 30. Mais sinon, franchement, après fluidité, ça va, quoi. Vous voyez bien d'ailleurs, hein. C'est pas. Franchement, elle est top, hein. Moi, j'aime bien ce petit corps de ferme là. Ce que j'aime bien, c'est la texture en fait. C'est la texture de la terre là. Vous voyez? Je trouve ça assez joli. Ouais, ils sont où les silos alors? Ils sont où nos silos? Parce que je sais pas où c'est qu'ils sont en fait. Je me suis encore jamais servi. Que je découvre un petit peu la map. À la ferme, du moins. Alors là, je pense que c'est pour le lisier là-bas, donc pour faire une marche arrière et tout. Ouais, c'est cool. Non, je trouve qu'il a bien réfléchi, il l'a bien faite la ferme. Il a mis le petit poulailler pour l'eau, pour les vaches, c'est juste à côté, à droite là-bas. Enfin. Alors, où c'est qu'il a été mettre les silos? Là. Ah, est-ce qu'il faut que j'ouvre ça là? F1. Pourquoi je peux pas vider là? Ah yes! Faut activer le silo les gars, faut venir là et activer le silo. Regardez, ça a ouvert les. Ça a ouvert ça là. Ah c'est cool ça! Ça a l'air pas mal à jouer cette map. Ouais, franchement. Après, je sais pas si Yo-Yo il a un gros PC et puis toi t'as un gros PC, mais franchement, si vous avez ce qu'il faut, les gars, moi je vous dis banco quoi. Banco, ouais. Je sais pas, écoute ce bruit, t'es au silo. C'est partout où tu vas, tu passes, tu vides et tu te casses. Là, t'es obligé de venir activer, en fait, t'es obligé de venir activer le silo pour pouvoir vider quoi. Ouais. Voilà. Ah, on a vidé 1666. Bon, après, je sais pas si ça correspond. C'est ça avec le yo. Ouais, faut tester. Ouais. Mais franchement, attendez, tant que j'y suis là-bas, tant que j'y suis, je vais ouvrir le portail là. Voilà. Ça, on va faire le tour. Je pense que le prochain live sur YouTube, ce sera sur cette map là, même si je suis en solo. Franchement, ouais, elle me plaît bien. Peut-être arrêter la Hofbermann pour l'instant. Franchement, celle-là, ouais, elle est top. Puis t'as plein de petits coins pour ranger tes véhicules et tout. Hein, je la trouve cool. Ah, par contre, là, est-ce que je peux aller mettre là-bas? Parce que là, j'ai pas assez de place là. Non, et puis ici, toi, tu peux faire ton Sin Master aussi là. Là, tu peux faire ça. L'eau, pour info, c'est ici. Regarde, c'est joli ça ici, on est bien là.
C'est joli par là, hein. Alors par contre, là, en fait, j'ai pas regardé ce qu'il y avait là-dedans. Ça se trouve, j'ai du bordel. Ah bah tiens, regarde ce que j'ai là-dedans. Ah bah il y a du bazar là-dedans. Bah ça là je vais la garder parce que j'en vais avoir besoin pour faire de l'ensilage. Enfin de l'arrubalage, je veux dire, pas de l'ensilage, l'arrubalage. Ça, ouais bah à la limite ça on va s'en servir aussi pour déchaumer le champ. Ouais c'est pas couillon ça. Il y a eu la 1.6, non pas encore. Sur la Hoffberman elle est pas sortie la 1.6. Parce que ils ont rencontré des petits bugs. Et apparemment, comment il s'appelle? Celui-là qui fait la map là, il veut supprimer le Global Company. D'après ce que j'ai compris, en même temps je parle pas allemand, mais j'ai vaguement compris ça quoi. Donc normalement la 1.6 ça devrait sortir 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Mais ça fait déjà une semaine que j'ai lu le commentaire donc ça devrait peut-être. Attends, où c'est que je vais moi? Ça devrait sortir, on va pas tarder. Attendez, je vais me mettre devant les portes là en attendant, parce que je vais sortir le déchaumeur. Ça sera plus simple. Plus que les cannes pour la pêche, voilà, exactement. Là, je vais amener ça là-bas. Ouais, mais par contre, il faudrait que je mette du lisier avant si je veux faire une partie correcte. Avant de déchaumer. Ouais, j'y mette du lisier. Là, voilà. Voilà, c'est fait. Ah, elle est belle la ferme, hein. Je sais pas comment vous la trouvez, vous. Mais moi, pour l'instant, perso, je la trouve bien. Hop, je vais mettre ça là. Je vais rentrer la moissonneuse. Là, voilà. Il y a plein de trucs quoi, regardez, même pour tant qu'on est là, je sais quoi ça ici. Ça va être les chevaux, ça c'est les canassons ça. Ou même du fumier apparemment les canassons, ce qui me paraît totalement logique. Il y a même j'ai même vu tout à l'heure, bah si pour les faire courir là-bas, faire du sport, ils peuvent faire du sport là-bas les canassons. Non franchement elle est complète hein. Elle m'a l'air complète hein. Bon après j'ai pas tout essayé, j'ai pas testé à 100%. Et je sais pas, quand on voit ça. Allez, on amène l'eau au milieu du pré là. Là, ici, on leur met l'herbe par là, là. Voilà, le foin. Ah oui, c'est vrai que. On n'a pas le choix, faut qu'on rentre par là. Ah. Tac. Zéro. X. Les petites barres de coupe qui vont super bien. Là. Allez. On ramène ça à la ferme. Mais ça c'est le DLC du DLC classe ça. Hormis les barres de coupe, hein. Les barres de coupe c'est à mode. Hein. Mais elles sont cool ces barres de coupe là. Après j'ai pris cette grosse moissonneuse là parce que comme les champs ils sont pas mal vallonnés quand même, puis ils sont assez grands, je dis ça fait pas ridicule quoi. Je pense que ça fait pas trop ridicule. Je trouve ça assez sympa. Enfin pour ma part. Pour ma part, je trouve ça bien. Ah, on va pouvoir l'appeler la ferme des classes. Hein. On dira, la benne, je pourrais plus la mettre là tout à l'heure. Hein. Il va me faire chier à la rentrée là-bas. Ça aurait pas été plus mal. Hein. Du coup. Ce que je vais faire, je vais récupérer mon tracteur, je vais aller acheter, je vais récupérer le tracteur, ça je vais le dételer, je vais aller acheter l'épandeur à fumier. Là,
Je vais manger peut-être tout à l'heure. Ok, bon appétit Didier. De toute façon, moi c'est pareil, hein, je vais pas tarder non plus. Ouais, on va pas tarder non plus à se quitter. De toute façon, il y aura la rediff sur YouTube, hein. Au pire, il y aura la rediff, hein. Salut, comment tu vas? 192 509. Enfin, c'est bien ça, je me rappelle plus. Je sais que c'est ça, mais... Ouais, 509, c'est ça. Comment tu vas depuis hier soir? Voilà. Donc, de toute façon, il y aura la rediff de ce live en deux sur YouTube. Voilà. Pour YouTube, là, vous voyez la deuxième partie. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ces trains hein. Pou du you. Ouais, ça va très bien. Bon, bah cool. Cool, nous c'est pareil. La frite, la pêche, la banane, la patate. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants les trains. Oh la vache. Épandeur à fumier, non, je veux une cuvalisier moi. Alors l'autre jour j'avais une... Ah mais c'est pareil, mais j'ai toujours pareil moi en fait. Je dis ça. C'est gros ça. On va voir comment aller. Ah, c'est immense. Non, mais je vais pas acheter ça, t'es fou toi? C'est trop gros pour moi ça. Putain, elle est où? Oh là là, à tous les coups. Et je crois qu'il y a un truc à mettre là, derrière. Y'a pas un truc à mettre derrière ça, les gars? Putain, elle est où celle que j'avais l'autre jour? Ah, bah ça doit être celle-là. Ouais, 9 mètres, impeccable. Non, je peux prendre un truc hors d'immense, hors du commun. Ouais, il fallait une rampe. Ouais, fait chier les rampes. Fallait les grosses rampes bleues là, ou vertes, je sais pas quoi là. Salut Francis, j'étais pas là au début, c'est quelle map? Ça c'est la ferme écueloise. Je l'ai marqué dans le titre, regarde Francis. Je l'ai marqué dans le titre, comme ça si vous savez pas, bah ouais, comme ça au moins vous le savez. C'est la ferme écueloise. Voilà. Mais très jolie map, hein. Franchement, et on va la voir sur YouTube. Moi, je vous le dis, les gars, on va la voir sur YouTube. Je pense que je vais stopper un petit peu la Hoffberman pour passer un peu sur cette map. En espérant que Lulu puisse la faire tourner, qu'elle soit pas trop embêtée avec. Je pense qu'elle a le PC qui va bien, Lulu. Donc, voilà. Donc, sur YouTube, on va retrouver cette map, je pense. Hein. Parce que pour l'instant, je l'ai pas vue. Même pas en découverte de map ou je sais pas quoi. Et du coup, on va se taper une série dessus, hein, parce que moi, perso, j'aime bien. Pour ça, je fais les choses bien, hein. Je fais pas les choses à l'arrache comme d'habitude. J'essaye de faire les choses bien. De rien, Francis. On va essayer de faire les choses bien. Alors, on va... Du coup, je vais remplir le fumier. Ah bah tiens d'ailleurs on pourrait essayer de remplir le fumier bah là qu'on a dit tout à l'heure. Au lieu de le prendre là. On va voir si on peut faire une marche arrière là-bas, si c'est bien ça. On va essayer, mais c'est vrai que c'est pas une grosse tonne mais tant pis. Hein. On fait ce qu'on a, on fait pas. Hein. Parce que je crois que le fumier doit se trouver là-bas. Alors est-ce que je vais y arriver? Pas sûr. Pour ceux qui me connaissent, les paris sont ouverts. C'est un bordel, pourtant il est bien assez large le bazar. Non, sérieux, j'ai l'impression. Hey, t'es pas bien toi, hein, sérieux. Heureusement qu'il... Ça se trouve, je me fais chier pour rien, là. Regarde. T'es sérieux? Attends. Je me casse les bonbons pour rien. Oh là 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 là.
Encore, je trouvais aussi, c'était un peu périlleux mon histoire. Mais oui, mais attends, attends, regarde. Sois pas couillon, mon gars. Va pas si vite, regarde, regarde ce qu'il y a là. Hop. Le gars, il a pensé à toi quand il a fait la map. Il sait que t'es mauvais. Il a dit, bah, rien que pour relier les fermiers en folie, je vais faire un truc comme ça. Comme ça, au moins, il sera pas chier. Voilà. Vous voyez le truc? Vous voyez? Voilà, ça se charge. Nickel. Magnifique. Allez, on essaye ça, les gars, et puis après, ça ira. Faut que je mette la table et tout. Allez, go! Comme ça nous fera une occasion pour retourner sur cette map en live. Voilà. Est-ce qu'on voit bien le... C'est toujours aussi pourri ça, on a du mal à voir quand même. Hein. Ouais, enfin, je pensais que 9 mètres ce serait suffisant, mais ouais. Non, il faut que je mette les mods que j'ai dans mon dossier, il faut que je les mette, ça passe. Je suis à moitié. Elle est en DL. Oui, Francis, ouais, elle est en DL. Tu peux la trouver sur King Mod. Elle est sur King Mod. Ouais, elle est en DL. Bon, je mets un peu haut, hein, parce que sinon on voit pas bien. Hein. On est bien le truc. Bing, y a qu'un arbre. Hey, sérieux, il y a qu'un arbre, je me le prends, con. Sérieux. Ça barre moi, ça. Ah bah si, de haut on voit mieux quand même. De haut on voit mieux. C'est vrai que ça, ils l'ont un petit peu amélioré sur le 19. Sur le 17, c'était un peu plus la misère. Là, voilà. Comme ça, après, on va pouvoir tourner autour de ça et ça va le faire. Là, super, merci. En même temps, combien de FPS qu'il faut pour être bien? De FPS? Voilà, si tu veux, je sais pas combien je tourne là, mais toi, je suis à. Tu tournes à 30 FPS, c'est bien. Toi, je suis à 30 FPS là. Bon, il y a des coups, je monte à 60. Hein. Ça dépend où c'est qu'on regarde, ça dépend où c'est qu'on. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une petite machine qui va quand même pas trop mal, Francis. Hein. Ouais. Faut que t'aies un PC quand même qui tourne pas mal. Hein. Si t'as un i5 dernière génération, je crois que Zero il a ça, un i5 dernière génération et il a du mal avec. Hein. Faut. Il tape un petit peu haut quand même. Hein. Parce qu'elle est quand même grande, elle fait 1 giga 7. Elle fait 1 giga 7, donc voilà quoi. Ça veut tout dire. Des maps de plus d'un giga, en principe, c'est des maps qui sont assez lourdes. Ah bah tiens, c'est fini ça. Donc voilà. Ouais. Donc moi je suis à 55 voire 60 presque tout le temps, c'est bien. Ah oui, c'est bien, oui. Oui, si t'es à 55, 60, moi aussi sur toutes les autres maps, je suis bien, hein, je suis nickel, hein, mais celle-là, c'est vrai qu'elle fait du mal, celle-là, en fait. Oui. Moi, en principe, je tourne bien, hein, en FPS, je suis pas, c'est pas là que ça coince, hein. Mais c'est vrai que celle-là, sinon, je suis fluide, tu vois, je suis fluide, y a pas de souci. C'est où mon truc déjà, là? Ah oui, d'accord, faut pas traverser le pont, faut tourner avant le pont, ok. Même dans la ferme, j'arrive à me perdre, pas pour me dire. Là. Tac. Il y a des endroits sur la map, je... Bon, moi, j'ai pas de lag, hein. En attendant, j'ai pas de lag, hein. Perso, j'ai pas de lag. Je sais qu'il y en a qui ont des lags. Mais moi, pour l'instant, que dalle. Nickel.
Voilà. Allez, encore un petit voyage, les gars, et puis après, on mettra fin à la vidéo et au live. Là, voilà. Allez, on se fait encore un petit voyage. Comme ça, pour la prochaine fois, ben, on continuera ça. On passera un coup de déchaumeur. On mettra, bon, on ira acheter un smoir, pas un 3 mètres, parce qu'un 3 mètres là-dessus, à mon avis, on va galérer 5 minutes. Enfin, ça va être long. Bon, après, pourquoi pas. Hein. Mais, ouais. Là. Un peu de boulot à faire quand même. Voilà. On vide. On remet ça à la ferme. Et puis voilà. Et puis ça ira pas mal pour le deuxième live de la journée. Peut-être qu'il y en aura un troisième ce soir. On verra. On verra sur Twitch, pourquoi pas. On est fou, on est fou, on est fou. Là. Là, 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 là. Ça part assez vite quand même, hein. Ça part assez vite, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais... Ah, j'ai vu que j'avais un manque par là. Et 9 mètres, c'est vrai que je pensais que ce serait beaucoup plus grand que ça, en fait. Vous allez me dire, 9 mètres, ça fait 9 mètres, quoi. Hein, je pensais que, ouais, 9 mètres, ça serait plus grand. Sur le coup, bah c'est raté. Là. On n'a pas fini d'en tirer du lisier, hein, les gars, moi je vous le dis. Hein. On va en épandre de la merdasse. Ouais, je vais voir si je trouve pas un autre épandeur à lisier dans le même style, mais un peu plus grand. Parce qu'avec les rampes, fait chier, faut les atteler, c'est chiant. Puis c'est gros, ça va être gros. Faut pas que je trouve du gros matériel, parce que vous avez vu où c'est qu'on met le lisier, ça va être galère. Hein. Si je mets un trop gros truc, je vais galérer comme un cochon. Voilà. Tac, nickel. Bon, ça on va le laisser là parce que de toute façon on va le ressortir pas tout à l'heure mais demain. Voilà. Tac. Didier, bah t'arrives juste à la fin Didier. Voilà, de toute façon t'auras la rediff de ce que t'as pas vu, tu le verras sur YouTube, il y aura une rediffusion de cette partie là sur YouTube. Y a pas de souci. Allez, moi sur ce les amis, je vous dis bah, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Merci YouTube, merci Twitch, merci pour vos abos, merci pour vos follow. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les amis. Allez, bye, bonne soirée. Je me suis perdu dans mon truc. Je me suis perdu en fait.